Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Witcher 3. La dernière fois, on s'est arrêté juste ici pour faire la quête annexe de Dune. Et on va tout de suite commencer avec cette quête. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que bah oui. You're here, good. Bastion. His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassar will catch the scent and lead us to Bastion. Come on! The sooner we get this done, the better. Okay. La position exacte de la cible n'est pas connue. Dirigez-vous vers la zone indiquée. D'accord. Ah, je peux fouiller tous les cadavres. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux fouiller d'autre? Ah oui, bah d'accord. Pour des cadavres, il y en a un. Hein. Il va y avoir des ghouls dans pas longtemps, c'est ça? Ça le truc. Donc je préfère tout fouiller, hein, parce que... Et tout, c'est un RPG, hein. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de lancer ça à chaque fois. Ah d'accord. Vraiment bugué hein, parfois le jeu. Ok bah lui il veut pas. That him? No. Doesn't look anything like him. Come on, Hassar. Can you smell Bastion, boy? Still nothing. Alors. Moi je les pille plus que de choses, attendez. On fait une sauvegarde et regardons comment on, si on a encore de la place dans l'inventaire. Oui, on en a large. Là j'ai largement de la place. D'accord. Tout sera vendu, ça fera plein d'argent à des ghouls. Voilà, plus que la dernière goule. Voilà. Ramassons un peu tout. Ah, les champs de bataille, c'est vraiment des mines d'or. Hein. Il a été trouvé, c'est ça? Bon, je m'en fous, je prends tout. Je prends tout. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas encore regardé, je pense. Hein. Oh, c'est bon.
Là, ça fait tellement de l'argent gratuit. Tellement bien. Que des épées, de toute façon, moi je vais pas prendre tout hein, quand même. Les cheveux blancs, ils sont buggés, hein. That him? No. Neighbor's son. Je vois un bouclier là-bas. Ah non, c'est un bouclier. Come on, Essa. Can you smell Bastion, boy? C'est lui, je suis arrivé. That him? No. Neighbor's son. Encore le fils d'un voisin, Eve. Hein. Il y a beaucoup de fils, le voisin. Come on, Essa. Can you smell Bastion, boy? Ça. Il est pas loin de toute façon. C'est pas lui. Lui j'ai déjà vu. J'ai déjà été. Je ne vois pas où il peut être. Être caché dans un coin, lui. Ah, je suis hors de la zone, j'avais pas vu. Le chien, il va arrêter d'éboyer parce qu'il m'énerve. Les... Tu m'énerves, les chiens. Couché. Oh là là là. En plus, cet effet de caméra, c'est chiant ou possible. Ah, lui. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh yeah. Bastion was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. He found him. Hassar's caught his scent. Come on. Allez, vas-y. Te suis, mon cher. Ah, il voit les traces de pas, d'accord. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to me side. And then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a crippled. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die. He can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blackened stays here. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our Pa's clothes. Teach him to work the field. But that accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Et voilà! Cette mission est faite. J'ai un peu galéré à le trouver, mais bon. Alors, petit F5 pour sauvegarder. Regardons l'inventaire. Ok.
J'essaie de voir si des armes ont de meilleurs dégâts. Pour le moment, non. Si je vends ça, my god, 392. Bonjour Hussard, merci Hussard. Tu es très gentil. Maintenant, regardons où nous sommes déjà de 1. Nous sommes ici. D'accord, donc avant de continuer les quêtes. Enfin, on va déjà prendre la quête, oui. La quête contrat de sorceleur. Carte du monde. Où est-ce qu'elle veut nous emmener la quête? Là-bas. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Attendez, j'essaie de réfléchir à un itinéraire. On va passer par ici pour aller là, puis là, puis là. Ensuite, on va passer par. On va passer par. Là. Enfin, par ces quatre points-là. Celui-ci, celui-ci, et ensuite on passera par là. Si on a le temps dans cette vidéo, sinon on fera dans la prochaine vidéo. Donc c'est des vidéos un peu d'exploration, hein, il faut bien explorer au bon moment. Comme je vous ai dit que je ferai tout ce que je fais hors vidéo normalement, donc c'est-à-dire l'exploration, etc. Je le ferai en vidéo. Donc on va faire ça tout de suite. Donc il y en a déjà un là. Venez, mes choux. Je sais que vous êtes gentils. Reviens. Petite goule, s'il te plaît. Arrête de bugger. Voilà. Ça c'est fait. Il faut des bons, je regarderai pour des bons plus tard. Et je reviendrai ici en vidéo. Nice, un point de compétence. C'est très très bien ça. Ok. On va essayer de voir un peu tout ce qu'il y a. Ça, non, pas tout de suite. Permet de préparer et de boire des potions de sorceleur. Permet de créer des bombes à jeter sur les ennemis. Permet de prélever des mutagènes. Je pense. On va prendre ça. Ah non, je l'ai déjà, d'accord. Ah non, c'est. D'accord. Lorsque vous blessez un ennemi avec un ennemi, d'accord. Cinder de décharge d'énergie qui fait. Ouais, je l'ai déjà. On va plutôt faire du combat pour le moment. Vin d'adrénaline. D'accord. Ok, je vois. Alors l'alchimie.
Est-ce que je peux créer des bombes? Ah non, j'ai pas assez d'ingrédients, c'est ça? Une bombe Samum, c'est quoi qu'il me faut? Je peux en créer une, ok. Quel est cet objet? Enfin, c'est pas l'objet, quel est cet... du Chélidoine, d'accord. Ok, ok. Donc celui-là, on reviendra plus tard. Ah, je reviendrai plus tard hors vidéo pour celui-ci. Vous avez vu que c'est ce que c'est, donc je le détruirai. Peut-être que j'en détruirai un en début de vidéo pour montrer qu'est-ce que ça fait. Coupe par la forêt. Ah, flûte. Flûte de flûte. Passons par là. J'étais trop en hauteur. Ah non, pas par là, par là. Ah non, pas par là du tout en fait. Allez, saute. Non, je veux pas descendre. Je veux que tu sautes. Ça se peut que hors vidéo je fasse un peu de cueillette, hein. Mais je ferai pas grand chose d'autre. De la cueillette pour un peu de Chélidoine, etc. Je sais pas pourquoi j'essaie de sauter, je suis un fou moi. Allez, saute! Donc dites-moi si vous voulez que je continue à faire la visite des sites en vidéo ou si vous voulez que je le fasse hors vidéo. Comment je suis censé descendre en fait? Attendez. Bon, c'est pas grave, je peux pas... ok, c'est pas grave, je peux pas. Hein. Enfin, ce serait faire trop long des tours, donc... on va aller plutôt à ce qui est plus près. Niveau signe. Là-bas c'est pour passer par le pont, donc c'est là-bas. Ah oui, la mauvaise quête a été reprise aussi. Aïe. Flûte, je vais sûrement mourir, je suis mort. Pas mort, ça va, j'ai la chance et une chance énorme là. Il faut que je régène un peu. Ah bah non, mais je suis idiot. Qu'est-ce que je fous?
J'ai vraiment eu chaud. Souffle télékinésique. Non, pas souffle télékinésique, pardon. Voilà. C'est bon, c'était pas facile. J'ai vraiment galéré. Est-ce que ce serait ça là chez Lidwan? Oui, c'est ça. D'accord. Je sais c'est quoi là chez Lidwan, ouais. Carte du monde. Alors, donc il faut que j'aille là-bas. Mais nous allons aller là. Est-ce que nous on voyage? Qu'est-ce qu'il est censé avoir ici en fait? Ah, c'est en dessous. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ça exactement? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière, j'ai eu peur. Attendez, faut que j'essaye de voir ce que c'est ici. À quoi ça correspond? Ça correspond à la cage de contrebandier, nice! Avant de continuer, on va sauvegarder, puis on va faire une méditation. De 1 heure comme d'habitude. Pour pouvoir se régénérer full life. Parce que c'est mieux que d'utiliser 60 millions de consommables. Du cocotte. Ah, des ghouls. De nombreuses ghouls. Je te permets pas. Oula. Il doit avoir un combo bien précis pour pouvoir les enchaîner, mais je le connais pas. Alors c'est quoi ça? Encore un nouveau type. Type d'endroit. Et voilà. Oh, ok. Ah, c'est un hôtel. Ok. Coucou Iki. Qu'avez-vous à vendre?
Qu'avez-vous à vendre? Quelle est la réponse à cette question? Bah, 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 bah. Du sandwich au jambon. Ok, fruits secs, pas besoin. La bière. Pour les bonhommes. Ok. De la belle peau d'ours. La belle bête. Perle de lait. Non. Poudre de perle alors. J'ai l'impression que ce soit ça. Je pense que c'est ça dont j'ai besoin. On va en prendre deux. Farewell. Sauvegardons avant tout. Ok, le summum, c'est bon. A-t-il des armes... Ah, oh, c'est quoi ça? C'est une rune? D'accord. Y a-t-il des armes intéressantes? Ah, oh, on en a deux déjà! Nice! On va passer une heure. Hop là. Donc, carte du monde. On va aller par là. Puis ensuite par ici pour aller là-bas. Est-ce que je peux directement téléporter en passant par là? Oui, d'accord. C'est ce que je ferai directement après. Je t'appelle mon cheval. Et cocotte, t'arrives? Voilà. Oui, cocotte. Putain, je voulais pas descendre. Je voulais sauter. Code à sauter. Non, non, c'est bon, j'arrête. Magic. A place of power. Wouah! The motherfucking fuck. Alors là, y a pas de répit pour les croissants. Sérieux, c'est un physique ça. Non, je pense qu'on va devoir se la jouer qu'au signe. Ah, y a un arbre entre nous deux, tu sais. Et avec celle-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de dégâts ou pas? Clairement pas. Ça fait mal là. On va essayer de se le faire l'ours, hein. Ça risque d'être chaud, mais bon. Ça peut pas être plus difficile que Dark Souls de toute façon. J'ai l'impression qu'il devient rouge avant de taper. Voilà. Sauvegarde. Quel baby. Et voilà.
Alors, personnage. Hein. Ça m'a pas l'air très intéressant, donc on va prendre ça pour le moment. Il faut que je l'équipe aussi. C'est pas grave, on va l'équiper là. Niveau 2, niveau 16, niveau 26, d'accord. Ok, donc il faut que je médite. Hein. Je préfère sauvegarder toujours avant de faire quelque chose maintenant. Donc on va continuer jusqu'à être pas loin du... Enfin, après avoir fait ce point là, on retournera au village. Du cocotte. Pourquoi j'ai plus d'interface? J'ai plus rien en haut à gauche, comment ça se fait? Alors je suis censé avoir quelque chose en haut à gauche, non? C'est moi qui rêve? Ok, bah c'est moi qui rêve. Non, qu'est-ce que je fais? Il faut pas que je me trompe de point, c'est celui-là, tout au fond. Stone Age. On passe en dessous, on peut pas. Ah si. On peut glitcher en tout cas, ça c'est sûr. Oh, dénoyé. Ce que je voulais faire vraiment en fait, mais bon. Ouh, toi t'as été coupé en deux. Oh, y a beaucoup de noyaux ici. Dites-moi. Il y en a beaucoup. Enfin, attention à pas toucher les barils explosifs. D'accord. Rien d'autre à dé... Ah si, si. Je voulais faire exploser à distance. Ah oui, avec le feu. Sûrement. Avec le souffle de feu. Les noyaux sont plus beaux en tout cas que dans The Witcher 1. Hein. Je dis ça, je dis rien. Cinq. Inventaire. Dégâts plus 2. D'accord. Ouh, nice comme armure. Ça fait une apparence bizarre, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Voyons voir si quelque chose d'autre est intéressant là-dedans. Non, ça, je vais peut-être y penser à vider un peu. Ok, donc téléportons-nous ici.
Ok, oh là là. Bah, on y va, hein. Oh, des biches, des belles biches. Oh, ils sont beaux ces arbres là. Arbre blanc. Qu'allons lui parler. Et ensuite arrêtons cette vidéo ici. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Allez, on fait ça gratuit. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now, no one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Entre cette vidéo et la prochaine, ce que je ferai, c'est aller brûler les nids de monstres que nous avons vus. J'essaierai d'en garder un. Non, bah non, je vais pas en garder, mais dès qu'on en aura un nouveau, bah, vous verrez comment c'est. Quand on en détruit un. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead pour un chaîne type HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.